passe-partout et passe-temps avec Anne-Gaëlle, la promesse d'une belle aventure à nouveau. Bonjour Anne-Gaëlle. Très bien. Bonjour mes amis, soyez les bienvenus sur le fort. On s'en fait un chasse. Bonjour Elsa. Bonjour Bernard, bonjour Olivier. Ah bon, bon, soyez les bienvenus. Votre impression? Chaud. Oui, j'avoue que vous nous avez amené le soleil, hein. J'espère que ce sera de bon augure. Tempête de ciel bleu. J'ai peur malgré tout que la chaleur éventuellement vous handicape pour les circulations, puisque forcément on le voit déjà, vous êtes un peu essoufflé. C'est un tout petit peu. Si peu. Très bien. C'est bon. La peur aussi. Peur, bah, tu es habitué toi maintenant. Oui, non mais quand même, on s'habitue pas tout le temps. Parfait, c'est ça la magie du fort. Et son mystère. Vous avez, je vous le rappelle, dans un instant, la possibilité de remporter jusqu'à 7 clés pour la salle du trésor, en 45 minutes seulement. Ces 7 clés sont importantes. Vous pouvez en avoir 5, c'est vrai, au minimum, pour l'ouvrir, cette grille. Mais 7, c'est quand même l'idéal pour tout à l'heure, donc, tenter de récupérer le maximum de boyards. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous allons vivre une aventure palpitante, en tout cas, nous l'espérons. On vous a préparé un petit programme, ma foi, hein, varié. C'est sympathique. Varié, plutôt estival, et qui devrait vous faire plaisir. Plus, s'il te plaît. Non, mais je sais justement de les réconforter au maximum. Et puis vous jouez pour une association, surtout. Alors voilà, parlons de cette association. Qui veut en parler encore un peu? Un peu tous. L'association Personnage, qui fête ses 40 ans cette année, et qui construit des maisons, qui accueille des handicapés mentaux et moteurs. Et voilà, c'est la 40e année de son existence. Et un grand salut à Lino Ventura qui a mis en place ce dispositif. Bien, et bien, bon anniversaire à l'association. Bien, et bien, nous n'allons pas tarder maintenant. Le gong retentit, ce qui signifie que nous pouvons passer à l'action. Olivier, tu as vie par ici. Les autres sont sous la folie. Olivier. Je suis contente. C'est sympa l'esprit d'équipe. Ne l'énervez pas, Olivier. Olivier, il paraît que, s'il vous plaît, deux secondes, Olivier, il paraît que tu as une devise. Oui. Ne jamais croire qu'on a fini d'apprendre. Ah oui, ça c'est vrai. Eh bien, tu vas voir, dans cette épreuve, tu n'as pas fini d'apprendre à pédaler. Voilà, je ne peux pas t'en dire plus. T'as pas mal, bonne chance. T'as pas mal. Allez, t'as pas Olivier, c'est parti. On est avec toi, allez, c'est parti. Tiens, Elsa, mets-toi près de la porte. Alors, est-ce qu'il a repéré la clé déjà dans un premier temps? C'est là-bas. Mais nous, on la voit pas encore. Non, non, non. Alors, il grimpe à l'échelle. La clé, il va falloir la pousser sur le rail. Et là, c'est parti. Mouline. Allez, Olivier. Plus il avance et plus il va libérer la clé. Hein, oui. Avec ton corps, Olivier, pense à tes jambes. Balance-toi, Max. Il ne faut pas qu'il lâche. Très bien, t'avances jusqu'au bout. Super. Vas-y, t'es le meilleur. Tu es super, Olivier. En une seule fois, ce serait juste l'idéal. Qu'est-ce que t'es photogénique. Super. Tranquille. Allez, Olivier, tu es presque, vas-y. C'est un monstre. Vas-y, Olivier. Tu peux te reposer, là. Juste. Si y a le voilà. Très bien. Il souffle de gonds, on surveille le temps, tout va bien. Ouais, c'est bon, on est bon là, Olivier. Allez, reparti. Allez, Rocky, t'es un gagnant. Allez. Rappelez-vous de Jackson Richardson, si vous avez vu l'émission. Voilà, Olivier, tout va bien. Ok, il y a le temps, il peut reprendre. Il faut le temps que ça se mouline de l'autre côté. Il y a le temps, tu le sens à la place du départ. Tout va bien, j'espère qu'il va pas manquer de temps. Allez, Olivier. Le truc, c'est qu'il s'est déjà épuisé. Allez, je vais pas. Allez, Olivier, on y croit. C'est notre seul sportif. Non, il y a Dorian. C'est un truc de malade, je te dis. Vas-y, Olivier. Tranquille, Olivier. Allez, sorti, mouline, mouline, mouline. Allez, Olivier. Alors, remonte à l'échelle. D'accord. Et avant de partir, tu tends le câble. Il te reste un petit peu de temps. Faut pas en prendre trop du temps. Allez, Olivier, d'accord. Vas-y, t'es capable. Allez, vas-y. On aimerait. Allez, c'est parti, on y va. Allez, tu moulines jusqu'au bout, ça va libérer la clé. Vas-y, Allez, on est avec toi. Allez, Olivier. Vas-y, contracte les abdos. Oh putain, est-ce que quelqu'un dans l'équipe aurait fait mieux, à votre avis? Non. En fait, j'ai voulu partir comme ça, et en fait, j'aurais peut-être dû partir un petit peu plus tendu, je sais pas. Ah, ouais. C'est ce que donc tu fais. Si je devais retenter, ouais. Voilà. J'étais trop comme ça. Pratiquement trop comme ça, t'aurais peut-être dû... En fait, je me suis enflammé, c'est carrément long, donc... super enflammé. Détends un petit peu mes bras. Bah, je te propose qu'on s'enflamme pour la suite, ensuite passe partout, et on continue, il faut plus d'arrière. Suivez le guide.
trop dur pour un début, ça. Le manolier n'est pas l'épreuve la plus simple, je l'avoue, pour l'avoir expérimenté moi-même. Je sais ce qu'il en est. Souvent, en fait, si on n'y arrive pas du premier coup, après la fatigue tombe dans les bras et c'est fini. Bon, tu t'es bien débrouillé malgré tout, Olivier. Ce sera pour la prochaine, rassure-toi. Comment ça, Micheline ? Tu dis, Micheline, tu n'arriveras pas à nous opposer, Jean-Marc et moi. Nous sommes faits du même bois. Bon, le bois des braves. Parlons maintenant sérieusement de ce qui va attendre le candidat suivant. On te sollicitera encore. Ce n'est pas fini, ton bonheur n'est pas terminé. Bien, passons sans plus tarder à la deuxième épreuve. Pour cette épreuve, eh bien, figurez-vous que nous allons eh bien, faire revivre un métier du théâtre qui est en train de mourir de sa belle mort, c'est celui de souffleur. Oui, pour cela j'ai besoin de Bernard et d'Emmanuel. Venez tous les deux devant la porte. Vous allez donc redonner vie à cet art ancestral. Bonne chance et surtout, ramenez-nous une clé. C'est parti. Allez, repérez bien, on se trouve la clé dès votre entrée dans la cellule. Billy, tu vas les guider un petit peu. Est-ce qu'ils l'ont vu, cette clé? Il n'y a rien, un petit voilier. Avec le voilier, il va falloir souffler sur la voile, se diriger jusqu'au ballon qui se trouve à l'autre bout, qui va libérer la clé. La clé, elle se trouve tout près de la porte. D'accord. Voilà. Emmanuel, il va falloir le faire. Allez tout droit, jusqu'au milieu. Vas-y, fais-le avancer. Ça va bien la pointe du bateau vers la fin. Il est bloqué entre les deux. Voilà, qui change de position le plus souvent possible. T'es où? T'es où? Voilà. Ah non, c'est voilà. Vas-y, Bernard. Emmanuel, revienne un peu. Voilà, super. C'est bien. Ouais, c'est bon. Emmanuel, souffle plus fort. Bien, ouais. Vas-y, pas mal. Allez, Bernard. Vas-y encore, vas-y encore. Emmanuel, peut-être déplace-toi un petit peu. Bernard, avance d'un trou. Bernard, tu peux avancer. Faut pas qu'ils hésitent à changer de position. Avance d'un trou, deux trous. Voilà, avance encore deux trous. Passe, vas-y. C'est pas mal. Je vous ai encore un peu de temps. On a du temps. Reculer. Peut-être qu'elle peut reculer, Emmanuel, et souffler un peu en revenant en arrière. Emmanuel, voilà. Ouais, reviens en arrière. Bien, compris. Voilà. Remets-moi en deux là. Allez. Soyez de l'autre côté. Emmanuel. Recule un peu le bateau. Se mettre chacun d'un côté. Il a la marche arrière ou pas? Vas-y, Bernard, souffle à fond. Ouais, c'est bon, c'est bon. Vas-y, Emmanuel. Allez, Emmanuel. Voilà, il a remis dans l'axe. Emmanuel, vas-y, souffle. Souffle vers l'arrière du bateau, Emmanuel. C'est peut-être qu'il faudra te décaler. Vite, souffle. Emmanuel, ils sont presque. Allez. Mais peut-être qu'on se décale encore d'une place avant, elle pourra avoir plus de portée, non? Là, c'est complètement perdu, ils ne sont pas arrivés dans le bon axe. Ok, non. Ils n'y arriveront pas. Allez, sortez. Emmanuel, Bernard. Voilà. C'est presque. Ah, c'était pas trop la tête qui tourne, à souffler comme ça. Non, mais c'était juste le dernier petit coup de souffle qu'il fallait donner et que j'ai pas donné. Attends, tu vois, il y a une chance de... Ah, bon, vous êtes bien parti, hein, vous avez bien réussi à diriger le bateau. Ça s'est coincé entre les îles. Bon, toujours pas de clé. On y croit, on reste motivé. Petit cri de guerre, je sens que c'est maintenant que ça se passe. Allez, cri de guerre. Attention. On y va. Elsa. 1, 2, 3. Mets pas peur des pièges, tous pour Bravo. Olivier qui veut nous parler. Anne-Gaëlle, l'équipe, je suis bien désolé pour vous. Vous n'avez toujours pas de clé. Peut-être une maintenant. Le petit Billy est en effet appelé en vigie. Je répète, le petit Billy est appelé en vigie. Quant à Dorian, elle peut aller se préparer pour la prochaine. Allez, on part sur toi. Aïe. Vous avez mal? Vous avez mal quelque part parfois? Non, Olivier, je parle anglais. Ah, enfin, j'essaie, oui. Je dois rendre visite à un vieil oncle écossais, et qui est bicentenaire d'ailleurs, et j'aimerais bien échanger quelques phrases avec lui, mais je ne connais aucun mot. Vous voulez que je vous aide? Vous savez, j'ai quelques notions, je peux... Oui, mais qu'est-ce que je... J'aimerais lui dire, par exemple, je vis dans une belle vie. Alors, je... Je sais. Aïe. Oui. Comment on dit... vivre. Quoi? Vivre. Je vis, c'est I'm living.
living, comme living home, quoi. Voilà, voilà, voilà. Ah, d'accord. Voilà. Ah, ça vient de là. Oui. I am living. Oh, living, living. C'est merveilleux. Et dans une belle, ça se dit comment? Ah, dans une belle, c'est in a beautiful. In a beautiful. In a beautiful. In a beautiful. Non, non, in a beautiful. La langue, la langue. Oh, c'est beautiful. Oh, c'est merveilleux, ça. Voilà, très bien. Et Vigie, ça dit comment, Vigie? Vigie. Vigie, Vigie. Oh, bah écoutez, je vis dans une belle vigie. I am living in a beautiful. Oh, bah c'est simple finalement l'anglais. Ah oui, l'anglais, bien sûr que c'est simple, Perfora. Alors allez, descendez. Oui, très bien. Et il y a un candidat qui m'attend. Allez, à bientôt, Perfora. I am living in a beautiful. Bah ouais. Eh bien, facile, hein, finalement. Bon, bah alors je ne sais pas quelle langue parle ce candidat. En tout cas, j'espère que c'est pas de bois parce que là, franchement, je suis nul. Billy, montez. Je suis là, monsieur Fourard. Oui, mais ça va, vous savez. Ah, je suis là. J'ai l'oreille fine tout de même. Bonjour, monsieur Fourard. Bon, eh bien, comment ça va? Oui, bien. Apparemment, vous pétez le feu, comme on dit. Ah, ben dites donc, c'est sympathique chez vous, hein. Oui. C'est où? J'ai comme l'impression que vous êtes faussement à l'aise, moi, non? Écoutez, ça me plaît bien jusqu'à... Oui, ça vous plaît? Oui, ça me plaît. Bon, alors, échangeons quelques banalités. Oui, alors, voilà. Dites-moi. Il fait beau, n'est-ce pas? Oui, ciel bleu, tempête voilà. De ciel bleu, disent un peu sec, non? Ça va, ça me plaît bien. Pas un brin de vent. Oui. Ça va, tout va bien, tout va bien, essayez de me déstabiliser, tout va bien. C'est parfait, vous savez que vous avez tout pour être animateur, vous. Bon, allons-y, allez, commencez à entrer. Oui. Nous allons voir. Écoutez, au piquet collé souvent, elle fut jadis une sombre place. On l'associe au mouvement, au bord de mer, on s'y prélasse. Qui est-elle, je répète, au piquet collé souvent, elle fut jadis une sombre place. On l'associe au mouvement. Et au bord de mer, on s'y prélasse. Qui est-elle? Une plage. Tiens. Un martini. Elle est moins volubile d'un seul coup. Eh ben non, mais j'essaie de... Alors, vous me le répétez, Vous avez perdu du temps. Au piquet collé souvent, elle fut jadis une sombre place. On l'associe au mouvement, au bord le de mer, on s'y prélasse. Ah, le coq. Le camp, c'est vous, mon petit Billy, là. Parce que c'était la grève. Mais oui, le piquet de grève. Ouais. La place de grève. Oh, bon, ça, c'est sûr. Oh, c'est une sombre place. Le mouvement de grève. Et puis, la grève est une bande de sable ou de gravier longeant la mer. Ça, c'est pas facile. Comment, c'est pas facile. Parce que tu le savais, pas? Non, franchement, c'est pas Moi, je pense qu'il vaut mieux, vous descendre. Mais bon, pas de parce que parce que là, vous, non, là, vous allez devenir. Sans je dirai pas le mot. Allez, sans rancune. Allez, et puis, ressaisissez-vous, hein. Bon, d'accord, ouais. Promis, je ferai mieux la prochaine fois. Hein. Non, mais là, c'était pas facile pour la première, franchement. En tout cas, il a pas attrapé la grève. Bien. Devrais-je dire plutôt troisième. Mal. Ouais, pas troisième. Troisième occasion d'avoir une clé qui vous échappe. Une quatrième maintenant avec Dorian. Comment vas-tu, Dorian? Ça va bien. Ah, bien. Bah, il faut dire que, paraît-il, les aficionados du snowboard t'appellent la fille de l'air. À toi de nous le prouver une fois encore aujourd'hui, dans un exercice, ma foi, bien sûr, un peu différent de celui que tu as l'habitude de faire. Un pont de singe, donc. C'est un duel. Comme tu peux le voir, il y a une gymnaste face à toi. À toi d'être la plus rapide, de ramener le sac qui se trouve à mi-parcours. Ce sac te permettra de découvrir un code avec des chiffres, bien sûr, composés de chiffres, qui permettront à ton équipe de récupérer cette clé attachée près de moi. Bonne chance, mets-toi en position, Dorian, tout comme le fait maintenant la gymnaste. Hey Dorian. Ne prends pas de risques inconsidérés, mais essaie d'être la plus rapide possible. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Allez Dorian, c'est parti. Allez. Pas mal, bonne technique. Le croisé, pas mal. Super. Allez, fais pas attention à l'évolution de la gymnaste. Vas-y, à fond, récupère le sac. Eh oui, mais c'est bien, Dorian. Allez, vas-y, très bien. Bravo, Dorian. Très bien, dans le bras. Très bien. Super. Allez, faire ça sur le canot. Vas-y, Dorian. Vas-y, Dorian. C'est ça qui fait du grand. Bien, c'est bien. Bien, Dorian.
C'est super. Allez, c'est génial. J'ai plus qu'à ouvrir la petite boîte. Philippe, tu vas te mettre, tu vas te mettre près du cadenas et dès qu'elle nous fait le code, tu récupères la clé. Allez, Dorian, vite, 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 vite. Faut pas que la gymnase détruise le code. Il est où la clé? Elle est là. Allez, Dorian, allez. On peut pas se permettre de perdre une quatrième clé là. Allez Dorian, vas-y. Ah, oh non. Elle s'est pas ouverte, j'ai tourné hein. De justesse. Pourquoi ça a explosé? J'y étais presque parce que la gymnaste a été plus rapide et elle a fait exploser le code. Bon Dorian. Bien battu Dorian. Pas de panique, tu t'es bien défendu, c'était très bien. Bravo. Bravo à toi. Elle mérite franchement. Et là vous commencez un petit peu à m'inquiéter, je vous le cache pas, il faut vraiment se reprendre maintenant. Oui. C'est sur cette épreuve là qu'on se sort la première clé et après on enquille, on perd plus de temps, ok? D'accord. C'est parti. On y va. Là, il nous a sacré. Allez, on reste motivé, hein, on y croit. Ouais. Je fais la tête, malheureusement, qu'inspire la situation, c'est-à-dire une tête de misère. Oh ! Les mots ne sont pas trop forts. Eh ben. Quatrième occasion qui vous était offerte, et pour le moment, passe-partout, combien de clés ? Oui, bon, bah, ça va, t'inquiète pas. Et ce geste-là, il ne le fait pas souvent. Bien, Elsa, c'est à toi. Elsa. Ah, la pression après quatre clés perdues, mais vous vous rendez pas compte. Ah, mais grave, c'est grave. Je suis toute seule en plus ? Tu es toute seule, oui. On est jamais aussi bien servi que par soi-même. De par ta fonction à France 2, tu as à peu près tout essayé, Elsa. Il était temps que tu essayes les cylindres. Les cylindres ? Vas-y. Enfin, devrais-je plutôt dire le cylindre, même s'il est composé de plusieurs cylindres. C'est plutôt un plaisir. Élodie, je t'en prie, présente-toi devant la porte. Bonne chance. Attention, 3, 2, 1. Tranquille, hein. Je fixe la clé tout loin avec moi. Allez, vas-y, tourne avec toi. Tu vas calmement, tu te précipites pas. Bernard. C'est cool. Venez, tiens, Olivier, allez. Si tu veux lui parler un petit peu, maintenant, je vais la rassurer. Reste zen. Il faut que tu fasses corps avec le cylindre. C'est ce que j'essaye de faire. C'est la piste, hein. Alors, regarde devant toi. Elle fixe la clé, elle fixe la clé. Elle se laisse rouler, c'est pas grave. C'est pas grave. Regarde pas les cylindres. C'est bon, j'ai compris le principe. Regarde devant toi, regarde la clé. C'est ça qui donne l'équilibre. C'est bon, je vais y arriver. Pas à califourchon, faut vraiment qu'elle se mette à plat. J'avance, voilà. Et qu'elle serre bien les jambes. Voilà. Faut qu'elle serre de ses pieds aussi. Hein. Amène tes jambes. C'est ça qui va lui donner l'équilibre. Regarde. Voilà. Reste au centre. Calme-la, Olivier. Calme-la, dis-lui qu'elle calme-la. Calmement, en respirant, voilà. Prends ton temps. Ça va, tu as le temps. Prends ton temps. C'est bien, Elsa, là. T'as largement le temps, tu t'en sors bien. Non. Allez, on recommence, encore, vas-y. Bien pour du temps. Allez. Oulala. Allez, vite. Mais quand t'arrives dessus, calme-toi. Faut vraiment que tu gardes ton calme, Elsa. Il y a le temps, donc tu paniques pas, tu vas tranquille. Voilà. Bien en équilibre au centre. Stabilise-toi bien dès le début. Voilà, bien se stabiliser, glisse. Voilà, pas trop vite. Et regarde bien devant toi. Allez, vas-y, t'as le temps. Il faut absolument que tu fixes la clé. Elle s'énerve, c'est normal. Ne t'énerve pas. Fixe, mais ça tourne. Ne t'énerve pas. Dorian, viens nous rejoindre. Qu'est-ce qui s'est passé avec le cadenas? Tu vois dans l'autre sens. Voilà. À l'envers. Regarde la clé. Voilà. Ça, voilà. Allez, Dorian, tu peux encore. Une dernière. Allez, ma belle, on est avec toi. Laisse tomber. Je peux pas. Respire bien au début. Elle est en train de se fatiguer. Ouais. Oui, on la regarde. Regardez bien la clepsydre, on a encore le temps. Bien. Calme-toi et regarde bien la clepsydre. Tu peux encore la voir, Elsa. Tout va bien. Tu rentres comme une petite limace. Voilà, colle-toi. Elle aura pas le temps, là. Elle aura pas le temps. Allez, encore une tentative, une dernière tentative. Allez, doucement. Allez. On tente le tout pour le tout. Qu'elle passe ce premier Sort. Tout à fait. Bon, le temps passe, le chronomètre tourne, donc il faut vraiment qu'on se concentre pour avoir une clé de. On va se rattraper.
faut pas vous décourager parce que voilà. Si vous partez perdu d'avance, c'est pas grave. On va être battu. Donc on reste ensemble, soudés, motivés, solidaires, on suit passe-partout et on y va cette fois, cette plaisée la bonne. Allez, go! Ça y est, maintenant j'ai perdu tout le monde, il ne me reste plus que 4. Mais où sont passés les autres? Il n'y a pas eu de prisonniers? Surtout pas, ils n'auraient pas des prisonniers. Mais alors, Elsa, t'inquiète. Allez, gardez surtout l'énergie et la confiance en vous, parce que sinon on n'y arrivera pas du tout. Bon, il fait un peu chaud. Je le vois, je le sens. Si peu. Je vois bien, très bien. Chacun c'est Stevie. Chacun à faire mieux à chaque fois, c'est bon. Stevie. C'est la deuxième fois que j'appelle cet homme, c'est la deuxième fois. Quel rechigne à la tâche. Bon, tu as été bon la première fois. Oh. Oui, si. Là maintenant, comme tu es un homme qui est toujours tiré à quatre épingles, on le soupçonne, tu as sans doute dû venir avec un peu de gel douche. Non, du gel dans les cheveux, tout court. Bon, ça va pas te... Billy, tiens, puisque justement tu me parles, ça te dirait un petit verre d'eau? Ah, avec plaisir. Profites-en, c'est ma tournée, tu n'en auras pas qu'un. Attention. C'est parti. T'es parti tranquillement, dès que tu pars, ça sert à rien de courir. Et drôle de méthode aussi. Roulant, ouais. Ça va, j'ai mal à te relever. C'est trop bien, non, mais t'es belle, je suis magnifique. C'est pas grave. T'as perdu du temps en tombant à chaque fois. Je suis pas très sympa parce que je vais pas te laisser le temps de souffler, on va y retourner tout de suite. Des clés, comme dirait l'autre, c'est Bernique, mais bon. Dorian, viens ici, approche-toi.
Approche-toi de moi, n'aie pas peur. T'es effrayant, à chaque fois que je demande à quelqu'un de s'approcher de moi, tout le monde est comme ça. Dorian, regarde-moi. C'est bien ce que je pensais. Hein. Tu es d'accord avec moi, Emmanuel sera parfaite pour cette épreuve. Viens, Emmanuel. Viens donc t'équiper. Tu sais que cette épreuve a pour unique but de... trouver la clé. Je pensais que vous l'aviez bien rendu. Je pensais que vous aviez pensé que le principe du jeu, c'était de ne pas ramener de clés. Juste d'en perdre. Non, mais très bien. Non, non, mais on est d'accord. Si on est complètement en adéquation. Pourquoi les uns avec les autres. Parce que c'est pour éviter simplement que tu ne tombes et que tu ne t'écrases comme une crêpe. C'est ça, oui. C'est toujours les bons mots. Vous êtes spécialiste, évidemment. Ah, c'est bien. Emmanuel, je t'en prie. Allez, Emmanuel. Allez, on est avec toi. Bernard, tu vas te mettre tout de suite à l'entrée du palier pour pouvoir lui crier à travers la meurtrière tout ce qu'il faut pour la rassurer, parce que tu sais qu'elle a un petit peu le vertige. Natacha, maintenant, Emmanuel. Mais c'est pas possible, je vais me faire y aller. Ah non, non, non. Emmanuel, prends la position. Ah non, je peux pas. Non, je peux pas. C'est parti. Allez, go. Rassure-la bien. Vas-y, Emmanuel. Le plus difficile, c'est de sortir. L'accès, il est pas évident. Vu qu'elle pose le pied sur la première marche déjà. Je ne vais pas m'approcher. Allez, allez. Faut pas qu'elle perde trop de temps dès le départ. Elle se tient la dragonne, elle pose son pied bien à plat sur la corniche, elle y va. Faut pas réfléchir. Non. Là, si elle analyse trop la situation, ça va être tendu. Non, 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 non. Faut pas qu'elle abandonne. Emmanuel, vas-y, on est avec moi. Non, mais je peux pas, je vous jure. C'est horrible. T'as une superbe vue sur l'île d'Aix et l'île d'Oléron, là. Profites-en. Emmanuel, je suis près de la clé. Emmanuel, c'est pas dangereux, n'aie crainte. C'est vraiment le plus dur. C'est vraiment le début le plus dur. C'est juste un jeu, de se jeter, Emmanuel, tu entends ma voix. Ne regarde pas où tu vas. Ah non, mais... Je suis là. Là, faut vraiment pouvoir surmonter sa peur. Prends la clé. Allez, Emmanuel, on est avec toi, vas-y. Vas-y, Emmanuel, c'est bon, là. Elle va peut-être sortir. Qu'elle se tienne bien la corde. Je vois pas, moi. Non, là, c'est pas vrai. Bernard, reviens avec nous. Reviens. Attends, on va te faire sortir, Emmanuel. Pas de panique. Qui sort ? Impossible, pourquoi ? Qu'est-ce que t'as ressenti là dedans la fenêtre ? T'as vraiment... impossible de surmonter ta peur, là. Bon, il faut pas que tu t'en veuilles. Le principal, c'est ça. Faut pas culpabiliser. Faut pas se dire, ah, j'aurais dû le faire. Non, c'est pas grave du tout. Bon, c'est un petit peu de temps perdu pour l'équipe, malheureusement. Donc, t'as raison, il faut y aller à fond. On va ? C'est maintenant la clé ? C'est maintenant la clé. Allez, c'est la clé. Là, c'est la clé. Allez. C'est bien, c'est bien. La boule passe devant moi, il est tout dépité, il se dit qu'il a pas de clients. Attends, c'est le parcours du combattant, là. T'as vu toutes ces épreuves, c'est pas facile. Non. Bien, pour l'instant, nous n'avons toujours aucune clé. Olivier, viens près de moi. Entre Olivier, on se comprend. Je vais aller chercher cette clé. Il paraît que ta deuxième devise, c'est travailler dur et rester humble. Mais tu es vraiment fait pour Fort Boyard, toi. Ouais. Alors s'il te plaît, travaille dur, reste humble, mais ramène-nous une clé. Allez, Olivier. Qu'est-ce que c'est? Alors là, il va falloir de la force dans les bras et dans les épaules. Attention, c'est parti, tiens. Allez, des pipes, des bonnes pipes. Bon, est-ce que tu vois la clé ? Tout de suite sur la gauche, tu la vois ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut tirer ça ? Actionne le levier. Lève-le. Objectif en haut. Et tu passes la porte. Vas-y, tu lui dis que t'as plein d'action. Avec l'épaule, bien en haut. Allez, encore, plus haut. Allez, là. Allez, très haut, très haut. Allez, je la sens bien celle-là. T'es bon là. Allez, d'accord. On y retourne. Allez, bien haut avec l'épaule. On y est là. C'est la détente du handball, ça. Bravo Olivier. Allez, nous la font. Allez Olivier, c'est maintenant ou jamais. Allez. Oh. Et ça devrait être bon là. Ah oui! Bien joué! Allez, encore! Allez! C'est où là? Allez, encore! Vas-y, encore. Vas-y. Il faut qu'il revienne! Il perd pas de temps là, c'est bon. Allez, encore! Qu'est-ce qu'il fait? Repasse! Pas. Non, okay, mais qu'il repasse! Qu'il repasse! Allez, encore un dernier! Allez, c'est bon, on peut récupérer la clé là! Récupère-la!
Allez, le levier. Le levier. Le levier. Au-dessus, au-dessus. Allez. Allez. Ça. Voilà. Tu m'as fait peur, là. Il nous la fallait, celle-là. C'est la proms. On en a eu. Bon. On n'est pas deux bananes. On va la remettre à passe-partout. Je vous rappelle qu'il en faut, il en faut 5 des clés quand même pour ouvrir la grille du trésor. Donc on reste bien concentré. Ça va? Ça va. Ça va. Alors c'est cool, on perd pas plus de temps parce qu'elle est là. Hein. Donc combien de clés? Un vrai rugbyman. Voilà, deux clés. C'est bien, vous vous reprenez. On va y retourner tout de suite sans plus tarder. Ah. Anne-Gaëlle, bravo à Olivier, bravo à l'équipe qui l'a soutenu. Okay. Première clé, enfin, peut-être une deuxième, car le père Foura vient de créer une énigme qui paraît une crie. Dorian, Dorian, Dorian. Faut qu'elle y aille, et venez me rejoindre. On continue encore. T'as révisé l'encyclo? Hein? C'est mon mieux, c'est promis. À tout à l'heure. Allez, on attend. Je vais lui faire son portrait, moi. Ah, bonjour, Dorian. Dites-moi. Bonjour. Constatez d'ici, on a une vue directe sur le pont de Saint-Ange. Et on y danse aussi à Fort Boyard. Je vous ai vu, moi. Bon, eh bien, écoutez, cette fois-ci, c'est contre vous-même que vous allez combattre. Écoutez bien. Relaxez-vous. Regardez, passe-temps. J'ai les épaules assez solides pour ça. Ah bon, parce que j'en ai des frissons. Enfin, bon, bah, écoutez, j'allais vous demander de vous décontracter. J'en ai même pas besoin. Pas la peine. Oh là là, vous m'avez l'air bien sûr de vous. Effectivement. Eh ben, nous allons voir tout de suite. Vérifions cela. Écoutez bien. Il peut être chiche sans se montrer radin. S'il est... Et tout souriant, là. Allons-y. Ces feux ne font pas de flamme. En ville, parfois, on la blâme. Elle est souvent réglée par un agent. C'est aussi le mouvement du sang. Qui est-elle, je répète, ces feux ne font pas de flamme. La circulation. La circulation. Mais bien entendu, la circulation, les feux de circulation. On m'avait dit un jour que je gagnerais au père Fouras. Vous gagneriez une clé. Une clé, mais j'y croyais pas, j'ai jamais réussi. Donc le reste ne vous intéresse pas, réglé par un agent, le mouvement du sang, eh bien effectivement, c'est la circulation. Merci beaucoup. Écoutez, pour une fois, circuler, il y a quelque chose à voir. Mais oui, Cyril et moi, vous me la laissez, non bon. Je vais la reprendre, ça peut me servir. Oui, oui, ça peut vous servir, on ne sait jamais. Il y a encore des petites choses à faire ici. Allez, allez. Au revoir. Oh, un petit bouchon et plus de circulation. Et... Bien, cela nous fait donc une deuxième clé. Ah oui, c'est bien, tu fais les bruitages. Bon, une troisième peut-être, nous l'espérons. Billy, viens près de moi. Ah, je fais de mal à la tête. Voilà, j'ai pas le temps de récupérer encore. Billy, je sais bien, je comprends bien. C'est ça, les grands athlètes. Ouais. Alors, attention, Billy, sache bien que la clé est tout droit. Ouais. Ça, c'est le côté positif. Oui. Et le côté négatif, mais je t'en parle pas tout de suite, ça pourrait te décourager. Alors, attention, Billy, on compte sur toi. C'est ça. On a que deux clés, c'est en tout. Donc là, tu te concentres, tu fais attention au rouleau. Pas ton entrée. Faut que je sorte, là, Billy. Faut que je sorte. Alors, pas qu'il glisse sur le rouleau. Ah non, faut que je marche là. Pas sur le rouleau, Billy. Attends. Faut que je marche. Tes mains au plafond. Tes mains au plafond pour te fixer si tu peux. Voilà. Tu te glisses doucement. Doucement, doucement. Voilà. Attends. Tranquille. Tranquille, on va te prévenir quand il y a un trou. Ah, mais de l'autre côté, la clé. Tu peux y aller, là, tranquillement. Allez, des petits pas, c'est bien, bien à plat. Très bien. Respire, c'est bon. Ouais. Voilà, dans deux pas à peu près, tu vas te retrouver face à un trou qu'il va falloir enjamber. T'inquiète pas, c'est pas dangereux. Voilà, ok, après, je fais quoi, là? Alors, la tiller. Après, je fais quoi? Il faut que je fasse... Prends bien appui sur le plafond, surtout. Bien. Ouais. Est-ce que tu... Ouais, vas-y, essaye. Avec l'autre jambe, pose ton autre jambe. Allez, Billy, allez, tu tournes. Il faudrait que tu te pivotes un petit peu. Calme bien ses bras et ses mains. Je suis petit, moi. Essaie de pivoter un petit peu. Mets-toi vraiment dos au mur. Non, je vais te tromper. Tu seras plus... Attends. Non. Avec quelque chose d'appui, éventuellement. Quelque chose d'appui, ouais. Allez. Bah, ouais. Il y est presque, il y est presque. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Non, mais je peux pas après faire le gros... Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, on est plus très loin, là. Arrête, qu'il se stabilise et qu'il arrête un peu le football. Arrête le football. Il est réglé pour Mike Tyson, ce truc. Non, arrête-toi, arrête-toi. On prend ton souffle.
Oui. Reprends ton souffle, arrête là. Stoppe la balle. Écoute-le. Stoppe la balle. Voilà, 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 super. Reprends ton souffle. Fais fouler, respire et recommence. Super. Voilà. Tranquille, c'est presque au facial. C'est la folie. N'oubliez pas qu'il y a un tour à faire. Allez. Alors. Avance un peu ton pied. Avance ton pied gauche. Enfin ton pied droit, il est presque. Non, je peux pas. Rapproche-le un petit peu du trou. Ton pied d'appui, rapproche-le un petit peu. Et avant de pouvoir. Regarde tes mains. Vas-y Billy. Je peux pas. Il est sur la pointe des doigts, là, tu vois. Est-ce que tu peux prendre appui plus fort sur le plafond? Non, je peux pas là. Tu peux pas, d'accord. Alors, si, allez, Billy. Essaye de déplacer un petit peu ton pied, histoire de laisser une place pour ton deuxième. Je suis trop petit là. T'es trop petit. Oh, bah, c'est malin. Là. C'est malin. Désolée. Allez, le tout pour le tout, vas-y. Passe ta jambe, tu y es presque là. Ta jambe droite. Faut y aller, Billy. Faut pas perdre de temps là. Billy, pas davantage. Bon, attention, Vite. Allez, tente, faut que tu sortes. Hein. Saute-toi sur tes bras. Oh là là là, non. Je peux pas ressortir, c'est trop. Bon, rassure-le, dis-lui que la boule va venir me chercher. T'es au top, t'inquiète pas. Regardez, la clé psy de ça s'était écroulée. Non, rassurez-le, c'est bien. Dites-lui que la boule va venir le chercher. On le retrouvera tout à l'heure. De toute façon, je suis mort. Bien. Bon, et je vous rappelle que pour ramasser des boyards au final, il faut récupérer un maximum de clés dès le départ. Oui. Ça va bien se passer. Don't worry. Bon, on n'a que deux clés, le temps presse. Il faut vraiment qu'on en chope une troisième, une quatrième, une cinquième. Allez, où? On suit pas ça. Là, c'est un petit peu dramatique. Je touchais pas en l'air. Eh oui, on avait sorti la tête de l'eau, on pensait que c'était gagné, et puis en fait, ce n'est pas le cas. Nous avons déjà perdu un homme au champ d'honneur, Billy. Nous ne prendrons pas une minute de silence en sa mémoire, parce qu'on n'a pas le temps. Mais on le retrouvera, je l'espère, tout à l'heure, bien sûr. Bon, Bernard, je voulais te parler de quelque chose. Viens près de moi. Et j'aimerais d'ailleurs faire profiter de ce spectacle également aux téléspectateurs. Regarde cette porte en bois. Regarde l'art, le style. Hein. C'est un style, bien sûr, post-Napoléon Bonaparte, pré-Adolphe Thiers, une grande période de l'art de la ferronnerie et du travail du bois. Et je te propose d'approfondir davantage l'histoire de l'artisanat du bois à travers la tonnellerie. Tu verras, c'est passionnant. Alors, on va continuer dans le jeu de jambes, hein, après Bruno. Allez, tu prends ton rythme. Enjambé, se baisser. Tu prends ton rythme. La jambe. Allez, faut dévisser la tête. Vas-y, dévisse. Delphine Dilibert, voilà. Il utilise ses doigts comme ça pour aller plus vite possible. Pour faire des toupies, pour faire rouler les papillons. Les papillons, voilà. Voilà, c'est allez, bien. Allez, attention, la jambe. Elle peut l'avoir, cette fille. Allez, on se motive. Vas-y, utilise tes deux mains. Une de chaque côté. Voilà. Je comprends pas ce que vous dites. Allez, encore. Une main sur chaque papillon. Fais tourner les papillons. Allez, Bernard. Allez. Alors là, c'est bon, on la récupère, cette clé. Hein. Emmanuel, viens près de moi. La clé, elle est au fond. Tu mets bien ses pieds sur le pied. On passe des petits pas. Tout doucement, hein, allez, Bernard. Tout doucement. Regarde la clé. Il se penche un petit peu en avant pour trouver son équilibre. Voilà, penche un petit peu en avant. Et bien tes jambes. Essaye de pas ramener le pied en arrière. Non. Alors, le but, c'est pas de revenir, c'est d'y aller. Hein. Allez, Bernard. Allez, mets-le sur tes jambes. Voilà, fléchis un peu. Petit pas. Ok, c'est pas grave. Lâche et récupère le tonneau. Il peut le remettre au début, alors sauter directement. Il faut que tu ailles récupérer le tonneau. Ok, peut-être ça, c'est bien. D'accord. C'est bien, ouais, petit super, pas. Bernard. Oui. Oh là là, Bernard. Plus en avant. Ok, bon. Allez, c'est bon. Le trapèze va revenir au début. Toujours. C'est toute la force de la clé. Génial, trois clés. Remets-la, passe partout. Ah là là, bravo. C'est bien. Et là, c'est vraiment la course contre le temps, donc on y retourne. Allez, suivez-le. Il connaît mieux le fort que moi. Allez-y. Petite foulée, hein. Voilà, ça commence à cliqueter, j'aime bien moi quand passe-partout commence à résonner dans ce fort. Très bien.
Anne-Gaëlle a le sourire, oui. Des beaux jours. Bien, le moral. Parfait. Le moral qui revient. Elsa, figure-toi que maintenant j'ai besoin d'une candidate qui est souple, dynamique, concentrée et qui n'a peur de rien et qui ne dira jamais non. Parmi les nombreux talents qui sont le tien, il y a bien sûr l'art de faire une chronique. Et l'on sait que, bien sûr, pour qu'une chronique soit bonne, il faut du style, ça c'est bon. Et on va te soulager pour ce qui est de la partie imagination. Tu dis oui ? J'ai quatre choses à faire. Allez, viens, c'est par là. Attention. Bonne chance. Allez, go. Bernard. Ok. Oui. Donc, d'accord. La guider. La clé, donc, la clé est là-bas. Oui. Il faut qu'elle rentre, qu'elle s'insère, qu'elle se hisse au maximum. Voilà, tu te mets à plumer, voilà. Allez, compte. Et sur les coudes et en avant. Allez, Elsa. Très bien. Super. Voilà, sur les coudes comme ça. Régulièrement. Allez, régulièrement. Elle peut même céder des petits trous dans les tuyaux pour se hisser. Voilà, voilà. Bah oui, en plus, t'es petite. Il y a des trous sur les côtés, tu peux t'aider avec les mains. T'as des trous, tu peux t'aider. Allez. Parfait, Elsa. Très bien. Parfait, Elsa. Ça fait face, tu passes le tranquillement. Avec le sourire. Allez, allez. Allez, vas-y, t'es plus de rien. Presque. Ça va. Et après, pour descendre, en marche arrière. Oui. Garde des forces et retour. Allez, tiens, tu es presque. C'est super, Elsa. Un galop, hein. Ouais, bien, super, bien. C'est bien, ma belle. Wouh. Alors, voilà. Allez. Ouais, allez, mets le recul, voilà, laisse-toi, voilà. Mets-toi sur le dos, tu te laisses glisser. Ça va, ça va. Allez, c'est comme un quoi, non. Voilà, 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 très bien. Très bien, elle a réussi à se retrouver. Allez. Je crois qu'on voit toutes mes fesses. C'est génial. Allez, 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 Elsa. Allez, continue ton effort. Allez, tout va bien, tu es prêt. Allez, t'accélères un peu, c'est bon. C'est bon, allez. On pense à toutes ces clés qu'il vous faut. Et bien écoutez, très bien. Je suis enfant. Et parfois on se fait des petits bobos hein, sur le champ, ça arrive. Hein. Combien de clés? Allez, encore au moins une, ce serait l'idée. Allons les retrouver. Pour quelqu'un qui est claustrophobe, écoute. C'est horrible. À un moment, j'ai réalisé où j'étais. Quand je suis arrivée en haut, je me suis dit, j'ai un coup de panique, tellement il fallait redescendre. J'aurais jamais le temps, je vous entendais pas. Bah oui, j'avais aucune idée du tout. On est derrière la porte, mais c'est pas simple. Écoute, je t'en ai bien sorti parce qu'elle n'est pas souvent réussie cette épreuve, donc je te félicite. Pour rattraper tout ce qui qu'est-ce que tu dis, j'entends pas. Allez, une sixième clé. C'est parti, bravo à toi. C'est sympa ce mec, hein. C'est comme ça qu'on reçoit les invités. Oh, la boule. Pas sympa, hein. Wow. La boule, hein. La boule. Alors, comment s'est passé ce tuyau? Ça va. Tu vois que le fort peut être gentil de temps en temps. Ouais. Faire l'équilibre. Mais oui, c'est ça, c'est l'émotion. Bernard, avant toute chose, tu vas suivre Passe-Temps pour te préparer pour ce qui va t'attendre. C'est clair ce que je viens de dire. Allez, ça le mérite. En tout cas, de ménager le suspense. Maintenant, Olivier, viens une nouvelle fois. Ah. Tu sais que je ne manque pas de devises. C'est notre champion. Les miennes sont en plus assez stables. Pardon ? Encore une devise ? Oui. Une des devises d'Olivier, figurez-vous, c'est quand il faut y aller, il faut y aller. Olivier, ça tombe plutôt bien parce qu'ici, c'est le planétarium et je ne te dirai qu'une seule chose. Aide-toi, le ciel t'aidera. Attention. Allez, repère bien à ton entrée. Tu regardes bien, tu l'as vu? Ouais, elle est là. C'est ça, Emmanuel. Allez, hop, approchez-vous de la porte. Allez, vas-y, pour rentrer. Hein. Okay, tu perds pas de temps dès l'entrée de la cellule, ça serait dommage. Dès que possible, tu sors la tête et tu prends les poignets. Allez, la tête dans le trou, allez, les poignets rouges devant toi, Olivier. C'est super. Bon. Voilà, super. Allez, tu guides maintenant. Bon, alors là, allez, la boule. Il faut faire tourner les planètes, essayer d'en faire entrer une. Il y a différentes tailles, différentes couleurs, à vous de voir laquelle il faut mettre dans la petite juste sur sa gauche.
à votre avis? Alors, une grosse jaune, une petite rouge. On va prendre ce qu'il donne. Ben, une petite rouge, je te dis ça comme ça, mais ça serait pas mal quand même. Alors, rouge. Oui. Essaye de viser la rouge, il faudrait qu'elle rentre dans le conduit en fait, ce serait l'idéal. Alors, on en est où là? Non, la rouge, elle est où? Elle est coincée? Stabilise un peu le plateau. Non, elle tourne, super, super. Pas mal, elle est pas loin là. C'est bon, tiens. Vas-y, concentre-toi, Olivier, sois zen. Réfléchis. De la force, de la précision. Ouais, pas mal, elle y est presque. Petit mouvement, on y est. Il y en a deux qui sont coincés là. Olivier, essaye de donner un peu, mais elle y est légèrement. Elle avancerait là. Légèrement. La zone, c'est l'une des deux. C'est pas grave, elle est un peu dépassée. Oui, oui, très bien, on va le passer. En arrière. T'es au top. Allez. Allez, vas-y, Olivier. Allez. Il est coincé. Il faut incliner vers l'avant, là. Olivier, incline vers l'avant. Donc, essaye d'incliner vers l'avant. Oui, ouais, parfait. Allez, c'est ça bon, va libérer la clé. La clé, Olivier, c'est bon, tu vas. Allez, on se dépêche. Elle arrive, regarde, elle descend. Allez. Il va pouvoir la récupérer tout de suite à elle sa sortie. Pour toi. Allez, tu l'arraches. Oh, c'est bon. Yes. Bon, le plus difficile là dans cette cellule, c'est quoi? C'est la précision, c'est la force, c'est le stress à gérer. Voilà, mais souvent on a l'impression que. Bien joué. T'es au top. Bon, on passe partout. Bien acheté pour l'équipe. Et combien de clés? La boule, on va la voir, et puis il y a toutes les boules qui viennent en même temps. Il faut gérer. 5 clés, c'est exactement ce qu'il vous fallait pour pouvoir ouvrir la porte du trésor. Vous verrez qu'à 5 clés, elle ne s'ouvre pas des masses. D'accord. Mais vous avez le temps de vous refaire après pendant les aventures, récupérer des indices, des cartouches, les échanger éventuellement après. Donc on va se dépêcher. Et c'est la fin des épreuves. Je vais vous laisser suivre passe-partout. Ok, on se retrouve tout à l'heure. Et d'accord. Moi, je vais rejoindre Bernard tout de suite qui est en train de se faire équiper. Ok, on y va, tout à l'heure. Allez, c'est parti.